Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, édition numéro 3 du jeu de loi. Donc n'oubliez pas, pour nous soutenir, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un like. Donc voilà, on vous a ramené les anciens participants, ceux qui ont gagné les anciens jeux de loi, donc Newton et Gijo qui avaient triché au premier jeu de loi. Et en troisième participant, on vous a ramené une personne du street lifting, une personne très forte. Donc on a ramené Thomas, je vais vous montrer ça tout de suite, on va aller les rejoindre directement. Donc voilà, ils font semblant de s'échauffer, Voilà, on vous a ramené le plus costaud. C'est lui le plus costaud. Donc présente-toi vite fait, vas-y, dis-nous un petit peu, qui es-tu? Bah écoute, moi je m'appelle Thomas. J'ai 28 ans, bientôt 29, et je pratique du street workout. Et je suis monté à Lille, il fait pas beau, parce que je suis de Marseille de base, mais ça fait plaisir, on est entre potes, et on va faire une belle vidéo là, voilà. Ok, niveau orientation sexuelle, tu te situes? Écoute, je suis hétéro-curieux, je dirais, voilà, c'est comme ça, c'est pour ça que je l'ai ramené, de toute façon. Les mecs en sèche comme ça, là, voilà. Donc on va passer au deuxième participant, bon, on le connaît maintenant, hein, un vieux. Voilà, on est parti chercher en maison de retraite celui-là, il met des couches et tout, comme les vieux. Et je fume tout le monde, voilà. C'est tout? Ouais, tu peux te présenter vite fait? Non, je me présente pas. Ah ouais, lui il est là pour gagner. Ah, Newton, okay. De la chaîne Newton DDW et Double Dragon Workout, 39 ans, Nati, pas comme toi. Voilà. Il est quelle heure? Et je suis champion en titre. Il est bientôt l'heure, va. Avec Dijon parce qu'il a déjà gagné. Il est bientôt l'heure, faut le déposer à l'EHPAD, faut pas traîner. Hein. Chut, laisse-moi parler s'il te plaît, merci. Honneur au plus vieux. Il est bientôt l'heure, hein. C'est l'heure de manger là, à la cantine de l'EHPAD. Hein. Donc aujourd'hui, avec Dijon, on va se défier contre un champion de street workout. Et franchement, j'ai hâte de mesurer à lui parce que ça fait un moment qu'on se parle et gros level. Donc j'ai hâte. Ok, on va passer au plus jeune maintenant. On sera le plus jeune, le tricheur. Bon, un des plus jeunes et le tricheur. Et de où j'ai triché sur la T'as première triché. Version il a triché, cadet. Il a triché. Il aime bien quand j'ai fait ça. Honnêtement, il a triché. La vidéo est en ligne sur Fitness Fusion, n'hésitez pas à y aller. C'est bizarre ça. Il y a un point rouge. Aujourd'hui, j'affronte deux gars qui ont l'habitude du street workout. On va montrer que les gomustus, ils savent aussi faire des pompes et des tractions parce qu'ils savent faire que ça, ces mecs-là. De toute façon, vous êtes sur notre chaîne, Pimous et moi sur ma chaîne aussi. Oh, soutenez-moi dans les commentaires. Il y a un souci d'ego ici. Il y a un souci d'ego là. On va ramener Marvel. Marvel, il va banaliser. On est là pour gagner, je suis là pour gagner. Okay. Newton, c'est là pour gagner. On a le titre à remettre en jeu. Bon. Et toi, on va t'affronter sur ton terrain. Ouais, bon. Bah, c'est pas comme si j'étais pas chaud là. Combien de vidéos ça fait là? Ouais, c'est vrai. On n'a pas fini. Une machine. Bon. Une machine. Moi, je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation du jeu de loi qui est juste là-bas. Comme ça, je vous explique comment ça marche, en quoi ça va consister. Et on commence. Vas-y, je suis chaud. T'as assez échauffé, c'est bon? Il y a de la bouffe à gagner, je te trouve. Mais tu vas manger mes gros. Non, mais il y a un gage pour. Ils vont tout. Oui, mais ça, c'est à la fin que tu vas le savoir. Vas-y. Tout va être expliqué. Ah, il y a un gage pour le perdant. Ouais, ouais. Donc on se retrouve directement devant le plateau de jeu, vous voyez, il diffère totalement du plateau précédent. Là, c'est vraiment un plateau qui est axé sur le street, le poids du corps, parce que voilà, on avait affaire à des personnes assez fragiles, donc on a été obligé d'adapter. On a adapté le jeu juste pour ce monsieur. Inch'Allah qu'il se blesse. Donc il y a également, il y a du poids du corps, il va y avoir des squats, des tractions, des pompes, quelques figures de street comme la planche, peut-être le drapeau, je crois que j'ai cru voir, ouais le drapeau. C'est exactement comme les éditions précédentes, vous lancez le dé, vous faites par exemple 4, vous avancez à la case numéro 4, sauf que cette fois-ci on a ajouté des cases bonus et malus. Okay. C'est-à-dire que tu passes sur la case 4, tu récupères un bonus que je vous dirai une fois que vous passez dessus. C'est quoi les bonus malus? On veut savoir. Ok, le bonus par exemple, tu vas avoir un élastique qui va te permettre de te délester et le malus par contre, tu vas te choper un gilet de lest qui fait 10 ou 20 kilos, je crois. Une fois que vous récupérez par exemple le bonus, il disparaît, ça veut dire les personnes qui arrivent derrière ne peuvent plus le récupérer, c'est fini. Il disparaît sur une autre case. C'est cérébral un peu ton truc aussi. Hein. C'est moi qui gère, c'est moi le cerveau, il y a pas de problème. Vous êtes l'image que je sers. Si c'est Pimous le cerveau, on est dans la merde. C'est pas grave. Nous, on est limité un petit peu. Ouais. Donc cette fois-ci, ça sera en speedrun, ça veut dire il y aura pas de ouais, t'as 7 minutes pour faire la perf. La personne, elle fait par exemple ses 30 burpees, une fois que c'est terminé, il relance le dé, il bombarde. Le premier arrivé, il gagne et forcément, ça laisse que 3 tours aux deux derniers participants et ça reste en speedrun tout le temps. C'est-à-dire ce sera en continu, il y aura pas de temps de pause. Ah d'accord, du coup, on jette pas les dés en même temps. Non. Sauf pour le premier tour. Tout le monde lancé dans le même temps. Une fois que vous êtes parti, vous enchaînez. Le but, ça va être de faire votre perf le plus vite possible. Parce que pendant que toi, par exemple, tu galères à faire tes pompes parce que t'es vieux, les autres, ils vont prendre de l'avance. Ah, je suis d'accord. Déjà, lui, il est vieux. Lui, il est fragile. Franchement, faut. Vous savez pourquoi il dit que je suis vieux? Parce que je l'ai fumé au dernier jour. T'as rien fumé du tout. Moi, je t'ai fumé, t'as abandonné. T'as rien fumé. Fragile, on l'a pas trouvé. Et je pense que niveau présentation, il manque. Moi, j'aimerais bien m'arrêter sur la dernière case, les gars. Il y a quand même 5 pompes à faire avec Pimous sur les épaules. J'ai maigri, ils ont de la chance. Thomas, tu te sens chaud de prendre Pimous 5 fois là sur le toi prends... Non, tu prends sur le dos. Il va te prendre, hein. Ça sera lui qui sera allongé sur c'est toi. C'est moi qui vais t'allonger sur toi. Mets-toi dos à dos alors, mets-toi pas. Ah non, sur le ventre. Je me mets sur le ventre. Ah.
Oh, on est obligé de tomber sur cette case. Ah, on est obligé, c'est la dernière, c'est la finale. Ouais, c'est juste avant le drapeau. Tu peux potentiellement tomber dessus. La case départ. Mais t'es pas obligé de tomber dessus. Donc est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Tout le monde est prêt? Ah, je suis chaud. Je vous laisse lancer le dé. Chacun votre tour. Celui qui fera le plus gros chiffre, ça sera celui qui lance le dé en premier. Dès que son dé est lancé, il peut aller se préparer directement pendant que les autres lancent le dé ou. Non, c'est un avantage. J'ai un avantage. Non. Moi perso, j'ai rien compris. Thomas, je te laisse lancer ton dé. Tu sais quoi? Tu lances ton dé, je vais te dire. De toute façon, les gars, si vous avez rien compris, vous allez tout comprendre. On s'échauffe pas en regardant la vidéo. Non, non, tu fais avec ton pipi. On s'échauffe pas. C'est la guerre. Ah bon, ça va. Vas-y. 5. Oh. 6. Ah, tu parles de il commence à tricher. Déjà quoi. Il va faire 7 lui. Ah. Oh putain. Eh, par rapport à la dernière fois là, c'est. Ok. Bonjour les gens. Donc là, on a Gigio premier, Thomas deuxième, Newton troisième. Donc là, dès que je lance, je peux aller faire ma paire. Dès que tu lances le dé, tu peux aller faire ta paire. Et le premier arrivé à gagner. 1. Tu vas faire tes squat jump. 3. 2, 3. 30 burpees pour Thomas. Tu peux aller les enchaîner directement. 1. 80 squat jump. C'est ton dé. Ok, Joanie lance ton dé. Ah, moi je discutais moi. Ah ouais. 6, t'étais où là? Front lever, sachant que t'as le droit à un élastique vu que t'as pris le bonus en route. On sait un bonus. 2. T'étais là? Hop, tu retournes. Oh, 30 burpees là. Encore 30 burpees là, mais c'est abusé. 4, t'étais où là? Allez, 30 burpees au boulot. Non, non, j'étais pas là. Ça y est? Ah bon, bon. Oh, c'est quoi ça? Il est trop vieux lui. Ici. Vas-y, tu lances ton. Tu lances ton dé. C'est pas un, deux... Et allez, ça repart au 30 burpees. Ah, je reprends 30 burpees, c'est quoi ça? Non, j'ai encore refait deux. J'ai gagné un dé, les gars. C'est-à-dire là, si le chiffre. Oh, 90 burpees. Si le chiffre, j'aime pas. On peut pas. C'est fou! Tu chopes ton malus. Oh les gars, je vais tricher là, je le dis. Oh, il y avait le malus qui était situé. Il était à bien côté. Hein. Chope ton gilet lesté, tu rejoues. Ah. C'est 6. Oh le chien. Ah, sans fond avec un gilet lesté de 20 kg. Ah, ça va faire mal ça. Donc lui, il prend son gilet lesté de 20 kg et il a sans fente à faire. Bon courage. Par contre, on a Newton qui est dans le mal. Oh. Oula. Bah alors. J'ai accouché, les gars. Allez. Allez là, les 30, tu les as validés? Ouais. Deux, trois, quatre, cinq, six, 70. Viens faire deux. Si tu refais deux, je pète une barre. Oh, j'ai en sueur là. 90 burpees, je te jure, j'ai jamais fait ça de ma vie. 5. 5. T'es là, c'est quoi ça? C'est des tu sais, en équilibre, des pompes en équilibre. Tu peux faire ou pas? Oui, bien sûr. Je mets là-bas. Du jus. Easy. Encore 20. Ah ouais, oh, ça tue après les burpees. Allez, lance-moi ce dé. T'étais où déjà? 70. C'est plus simple de l'autre côté, ouais. 1, 2, 3, tu rejoues. 5. 60 tractions supination. Inch'Allah. 3. Inch'Allah, il fait 4. 4. 4, c'est là. Hein. Tu vas monter sur moi, cousin. 1, 2, 3, 4. L'élastique, il va pas te servir à grand chose. Hein. Il monte sur moi, il va acheter vieux. Oh ouais, allez, tout le monde se met tout nu. T'as vu, je mets tout nu. Tout le monde c'est pareil. Ah bon. Je vais tomber dans les pommes. T'étais où déjà? Je sais plus. Tu vas tomber dans les pommes. 6. Oh le tricheur, non. Tu me fais un vrai roulé de dés. 5, 4. 1, 2, 3, 4. Oui. 5, 4. 1, 2, 3, 4. Des pompes diamants. 30, c'est du jus. Regarde les pecs. Allez. Là. Regarde les pecs après. Donc là, il a 5 pompes à faire avec moi sur son dos. Sachant que je fais 85 kg. Donc force à lui.
Allez. Allez. Ça c'est allez. Liquide, ça c'est plus facile. Allez. Encore une. Oh les burpees. Voilà. Et 5. T'as 2 dés pour faire 1. Thomas là c'est du jus pour lui, il a eu 30 pompes gamme. Ouais c'est du jus. 90 burpees c'est du jus ouais. Pas pour un imbécile. Thomas il est en train d'avoir les nerfs. T'inquiète, c'est fun, c'est pas fort. C'est fun, fit and fun, les couilles, ouais. C'est fun, on fait pas semblant. Allez, 1. Lance bien dessus. 5, sa mère, attends. C'est l'autre avec mon jambon, j'attends. 3, 4, 5. Soit tu fais tes 40 relevés de jambes et tu gardes ton deuxième dé. Sachant que je peux tomber sur pire. Faut jouer stratégique. Ah non, je garde ce lancer. Allez, okay. Bouge. Ah, non, putain. Trop de force, trop de force. Ouais, gros. Trop costaud, c'est trop grave. C'est 4. Non. Et tu recules. Non. Ah, oh, donc non. Là, malus. Donc non. Tu dois faire 100 fentes avec un gilet non, de 20 kilos. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. 100 fentes. 100 fentes avec combien? Avec le gilet de 20 kilos sur toi. Le pire, si je le gagne, ton jeu de merde, là, c'est un truc de fou, hein. Ah, y a tricherie, là, tricherie. Eux là ils sont dans la facilité, lui 60 tractions supplie, ça va c'est facile pour lui, c'est un mec du street normalement. Je le garde avec lance moi. Là dessus. 4, t'étais là. 2, 3, 4, tu dois faire le drapeau 5 secondes, si t'y arrives pas, tu perds. Je vais aller m'occuper de voir si monsieur triche ou pas. Allez mettre un step. Allez, ouais. Allez, l'attendez lui avec impatience. Allez gros, tu tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Oh il a tenu jusqu'au bout. Validé, c'est pas ça va, c'est validé. C'est dégueulasse mais c'est validé. J'ai vu qu'il commençait un petit peu à partir sur le côté, mais il voulait tenir à tout prix. Si tu fais 2, à peine 60. T'as gagné, sachant que t'as un dé supplémentaire. Ouais, tu lances une fois si ça te plaît. Oh puis il a du cul en plus. Plus il a du cul. Il vous a baisé. J'ai pas l'impression d'avoir joué en fait, moi. J'ai l'impression d'avoir reculé à Thomas, Thomas, Joanie, venez vite fait. Je vous explique maintenant que Newton a gagné. Il reste 3 tours, ça veut dire que vous allez lancer le dé 3 fois. Si vous arrivez pas à la case, c'est terminé. Moi, je suis pour Thomas. Ce sera le plus proche de la fin qui gagnera, ok. Peu importe que vous finissiez avant ou pas, c'est 3 tours. Bah, là, classement le GG jusqu'à la fin. Il a fait 4 burpees, je suis pour lui. Ok. Tout de suite, t'es gagné. On les laisse faire leur exercice et on va voir qui se rapprochera le plus de la case. Monte, monte. Hein? Biceps court, biceps long. Je triche pas en plus. Combien t'aurais, Joanie? Encore 2. Putain, le château. Allez, c'est parti. 5, t'es là. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu relances ton dé? Non, je vais. Thomas, t'as fini? Ah ben, encore heureux. Je relance ton dé, j'arrive. 6. 4, 5, 6. Allez, tu dois faire des pompes avec moi sur ton dos. Il passe tous. Ah ouais, tout le monde va y passer là, je vais vous grimper dessus. Hein. Je laisse mes pieds au sol quand même. Parce que sinon vous allez pas y arriver, c'est mort. Je passe en premier? Ouais. Oh, il a écrasé, il a pas cherché à comprendre. Il a éclaté. T'es prêt? Laisse-moi m'allonger, ok? Attends, attends. Garde les pieds au sol là. C'est bon. Tu vas le tuer, ça? Ouais, je sais. Allez, allez. Allez. Encore. Allez. Encore une. On en a marre de toi. Allez hop, Thomas. Ah non, 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 bah non, bah non. Il m'a dit à toi, il m'a dit à toi. J'ai pas compris. Mets ton cul sur mon cul, hein, qu'on se régale un peu. Ah, ça va être agréable. Oh, j'aime bien. C'est bon? Vas-y. T'es prêt? Ouais. Je m'allonge. Tu vas quand tu veux. Allez. T'es pas léché en cul. 3. 4. Allez. 5. Pas léger. T'entends, tu as dit qu'on t'enculait. Joanie, tu relances le dé. Sachant que j'ai un dé bonus. 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. A toi, tu fais 2, c'est la merde. Hein. Faut faire 1. Oh putain. Je refais quoi? Tu refais que moi. Allez. Allez. Ça m'arrête pas du tout en fait. Si, voilà, je t'aide. C'est lourd là. Encore une. Dernière. Monte. Yes. Vas-y, je retombe sur cette case, je me casse. Je t'ai aidé du mieux que j'ai pu. Hein. Je pousse avec mes jambes. Je faisais du leg drive pour toi. Thomas, dernier lancé pour tous les deux. Attends l'honneur, mon bébé. Vas-y. Donc, je te en gros, ce sera au plus proche. Au plus proche. Toi, t'es où? Je sais même plus. Je suis là, tu es là. J'aimerais bien.
c'est 6. Oh sa mère. 6. Allez hop, attends, aduit. Quand tu réussisses la perf. Ouais, vas-y. 4, j'étais. T'es là, t'as gagné. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Si tu réussis la perf, c'est bon. Faut réussir la perf. Faut que tu fasses tes 40 relevés de jambes. La case, reculer. Attends, attends. Attends, parce qu'on n'a pas parlé du gage, mais le gage, on saute dans l'eau de Dunkerque. Oh, mais il y en a combien qui sont tombés sur ce case dans ce jeu? Explique-moi. Je t'en mets combien de fois? 3 fois? 4 fois? Mais Thomas, c'est ton jeu, on l'a fait pour toi. C'est moi? Oui, bah oui. J'ai eu des trucs street workout. Burpees, l'autre ours sur mon dos. Vas-y, va t'en aussi. J'ai le téléphone encore? Ah, je crois que tu l'as relevé, j'allais dire enfin un truc qui change. Enfin, t'es avec le gilet? Je crois, non, sans le gilet, je crois. Là, c'est trop, là. Il est bien sec, on hein. On va refaire un classement natif. Bah, tu m'as mis dans tes classes. Moi, je contracte, là, je relâche. T'es plus imposant en vrai qu'en photo. Sur Tinder, on dit pareil. Bon, c'est pas pareil avec lui aussi. Bon, on va rajouter la difficulté un petit peu, là. Allez. Un coup, les fesses. Un coup, le mal. Bon, on va laisser terminer, Didjo ses petits relevés de jambes. Pensez à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker. C'est pas fini. Ouais, je sais, c'est vrai. Likez et abonnez-vous. Ouais. Faites des dons, utilisez notre code sur QNT, utilisez notre code sur Pornhub et sur tous les sites que vous trouverez. Tinder Gold aussi, c'est nouveau ça. Tinder Gold. La testo aussi. Ah, pas naturel en plus. En plus. Ok, donc on a notre grand gagnant, c'est Newton, juste derrière Gijo. Ouais, et le grand perdant, ça sera Thomas. Donc on l'a pas dit en début de vidéo, mais il y a évidemment un gage comme sur tous les jeux de loi pour ceux qui sont habitués à regarder. Et pour ce gage-là, il va devoir aller se jeter dans la mer à Dunkerque, c'est-à-dire dans un lac radioactif dégueulasse avec des animaux, c'est jamais vu. Hein, je vais ressortir pas natif, moi, là. Je vais ressortir chargé, là. Je suis content d'avoir gagné. Hein. Attendez, je viens de Marseille, l'eau, elle a 30 degrés, là. Combien l'eau, là? 5. Ouais, moi, 10. Bon, allez, vas-y, je peux franchement, pas victoire pour ça, écrasante. Je peux dire, je me suis baigné dans le Nord. Victoire écrasante de Newton. Franchement, comment c'est écrasant? Écrasant. Il vous a pissé dessus. Vous me défier en street workout, en street lifting, en bodybuilding, en powerlifting. Venez me défier dans n'importe quelle discipline. Je suis là. À quand un battle tous les deux? Hein? À quand un battle tous les deux? Tranquille, tranquille. Il est vieux, il y a besoin d'arrêter. La carte du vieux, il a sort un peu trop souvent. Ouais, ouais. Je vais la récupérer là. Ah, c'est vrai, il a 10 ans de plus que moi quand même, il faut le souligner. Donc voilà, oubliez pas, pour nous soutenir, vous pouvez souscrire un abonnement juste en dessous. Il y a les abonnements à 3, 6 et 10 euros si je dis pas de bêtises. Et vous allez avoir des avantages. Ça fout la merde, oh, quand je parle, c'est comme ça? Ça perce là, je crois. Il y a un problème. Et vous allez avoir des avantages en plus. Vous allez avoir des vidéos en avance, on cite les blases des gens. Ah, et subscription, voilà. Ouais, la subscription. Ouais, subscription. Oh, ils sont intelligents. Subscription. Hein. Un autre immigré sur la chaîne. Yes. Le micro. Non. Non. Oubliez pas les chaînes de Thomas Ranieri. Ouais. On a tourné une superbe vidéo sur sa chaîne. Allez la voir. C'était Gomuscu vs Street Workout. Je vous prends tous les trois avec des costauds qui sont là-bas aussi. Yeah. Il s'est donné, les gars. C'est ça. Et oubliez pas d'aller checker la chaîne de Newton. On a fait beaucoup de vidéos avec lui. Il a fait beaucoup de vidéos avec nous. Donc allez checker. Il y a plein de vidéos sur sa chaîne où on est dedans. Il y a les off de cette vidéo-là. Donc si vous voulez un petit moment. Ah ouais, c'est vrai. De cette vidéo-là. Mais chien. Je sais pas. Vu que j'ai gagné encore, ça me fait chier de montrer des off. Allez. Oh, ça me dégoûte. Bravo! Il l'a fait! Thomas Ranieri, les gars! Sur FF, tout nu, en chair et en muscle! C'était Fitness Fusion de la FF! Vous étiez en présence de Newton, le champion en titre, Didjo, le futur grand gagnant de la prochaine épreuve, Thomas, Epimous, Force et Fun! Fun! Fun. Je vais commencer sur le fun! Non, mais c'est pas mal! C'est bien qu'ils sont en dernier après qui a dit fun, c'est pas mal! Par contre, on va nettoyer, les gars!